Bonsoir, bonsoir euh, frères et sœurs et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20 heures pratiquement 25 heures locales. Nous sommes euh, en direct sur TV et à Radio de Vie. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun de vous. Nous sommes euh, très heureux de vous avoir avec nous ce soir et euh, que le Seigneur notre Père, notre Dieu, notre Créateur, se souvienne de chacun de vous. Père, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous te glorifions, toi qui nous as créés, toi qui nous as sauvés, toi qui, Seigneur, es venu sur terre pour mourir à la croix en tant qu'homme, afin de nous racheter, nous libérer, nous sortir, Seigneur, du péché. Nous te confions cette soirée. Père, sois glorifié. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, je ne suis pas seul ce soir. Je suis avec une sœur et un frère qui nous viennent de très très loin. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Ça va Très bien. Merci. Gloire à Dieu, mon frère aussi qui est à ma gauche, bonsoir. bonsoir. Alors dites-nous un peu comment vous vous appelez et d'où venez-vous voilà. Oui, voilà, moi je m'appelle Christophe Wanakabe, je viens de la Nouvelle-Calédonie. Christophe. Oui. Wanakabe. Wanakabe. Wanakami. Wanakami. Oui. D'accord, ça veut dire quoi Wanakami euh, En fait, c'est. On a quatre, ça à dire, Enfant. enfants. Oui. D'accord. Et puis, après, excusez-moi, ceux qui, je me suis fait en, en, Calédonie, la famille qui, qui prononce mal, le, le terme, on a quand même, mais, moi, je comprends, je comprends juste, enfants, c'est mais. D'accord. pas le, d'accord. Ouais. Donc, euh, tu, tu es venu avec la sœur, vous, vous êtes arrivé quand, à Paris? Vous êtes arrivé quand euh, On est venu euh, depuis vendredi. Vendredi. Et euh, vous avez fait 19 heures de vol. Et, euh, donc avant que tu ne continues, la sœur aussi va se présenter. Hein, donc, euh... Oui, bonjour, je m'appelle Léa. OK. Voilà, comme le frère euh, déclare, c'est effectivement venant de la Nouvelle-Calédonie, wow. et Nouméa. Et euh, nous avons eu pour 19 heures de vol. 19 heures de vol. Voilà. Et vous êtes venu ici à Paris, euh, pourquoi Pourquoi êtes-vous là euh, Nous sommes venus euh, à Paris euh, parce que nous avons soif de Dieu. D'accord. Et euh, euh, c'est par rapport à nos directives aussi, on a eu des directives vis-à-vis -vis de, de nos besoins personnels. D'accord. Euh, spirituels. D'accord. Et. Euh, et c'est pour cela que, vis-à-vis -vis de ces orientations-là, Dieu nous a conduits ici. Wow. Par rapport à nos besoins. Et vous suivez TV de vie depuis euh, Nouméa. Voilà, exactement. Donc vous avez fait Nouméa euh, au, au, Osaka. Osaka. Voilà. D'accord. Donc 8 heures, euh, 8 heures de vol. Et à Osaka, Paris, 11 heures de vol. Donc 19 heures de vol. Bien sûr, sans compter, euh, euh, le temps que vous avez passé, euh, le, 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 les heures d'escale, de hein, parce que vous avez fait combien deux de heures. temps à Osaka vous êtes Deux heures pratiquement. Deux heures, donc en tout ça fait 21 heures de vol. On a, on a pu partir de 11 heures pour arriver à okay. Osaka 11 heures de vol. Voilà, donc vous avez fait un tour, on va dire 21 heures de vol pour arriver jusqu'à Paris. Et euh, oui, frères ça. et sœurs, que le sens soit bien, en tout cas ça nous encourage, hein, tout ça. Mm -hmm. Des gens qui viennent de l'autre bout du monde et de l'extrémité hein, de la Terre pour... Et, euh, à Venir partager la parole avec nous, et, et, et voilà. Donc, vous êtes là pour combien de temps Nous sommes là pour deux semaines. Deux semaines. Voilà. voilà. Qu'est-ce qu que vous pouvez dire aux frères et sœurs qui nous suivent depuis euh, Nouméa, depuis la Nouvelle-Calédonie, ce soir Bien, ben, euh, d'abord un petit coucou. D'accord. Un salut. Et euh, que c'est vraiment une joie d'être ici, euh, d'être en communion avec le corps de Christ. Mmh. Ici euh, à Ivry. D'accord. Et il y a combien de langues euh, là-bas, à Nouméa, euh, à part le français À part le français, 32 langues vernaculaires. Waouh, 32, 32 langues. Voilà, que le soir soit béni. Est-ce que tu parles euh, parle quelques-unes de ces langues Voilà, comme je suis originaire de Marais, mm -hmm. je parle le Marais. Ok, c'est comment Légonais, on appelle. Comment on dit bonjour à, ma, à Marais Bozou. 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 Waouh, Bozou. Alléluia. Et, euh, et je sais qu'en hein, Yorana. 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 Le R là, R. R, voilà, voilà, il faut bien le rouler. <laughs> donc euh, Yorana. Et je sais qu'ils sont là aussi connectés ce soir parce que je les ai eus hier soir, on a bien échangé. Et waouh, wow. donc en fait, votre arrivée ici à Paris nous confirme que il est l'heure pour nous aussi de faire un tour là-bas. Amen. Et je crois que Dieu permettra, que, parce qu'il nous a déjà confirmé, que cette année, on fasse un tour là-bas. Donc, on va faire Paris, Osaka, Osaka, Nouméa. Voilà, que le gens soient bénis. On, oui. on pourra faire un tour après en Australie. Pourquoi Parce que c'est pas loin d'Australie, finalement. Euh, oui, c'est les, les walk-in. Cool. On est walk avec l'Australie puis la Nouvelle-Zélande aussi. D'accord. Donc, on va pouvoir peut-être ouais. te faire un petit, euh, une petite tournée là-bas. À la gloire à Dieu. En tout cas, c'est une joie pour nous de vous recevoir. Parce que vous êtes arrivé juste pour, de, de nous mettre à Paris pour, pour la prière, pour partager avec nous. Vous avez assisté à l'enseignement, au programme de réveil hier à Orléans. Oui, Et comment vous avez trouvé C'était riche. Il y avait la présence du Saint-Esprit, la parole qui est toujours vivante, hein, Amen. qui nous procure la vie. C'est merveilleux. Que le Seigneur soit que vous béni. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, c'est un voyage que vous avez fait par la foi. Par la foi. On pas a... de programme, pas de rien du tout. D'accord. Je pense que vous allez tout au long de votre séjour, vous allez pouvoir nous expliquer un peu comment ça s'est passé, tout ça, et, et euh, comment vous êtes arrivé euh, à, à mettre en place ce projet pour venir jusqu'ici. Comme tu me disais parfois ton passeport, je pense oui. que et, euh, demain on va pouvoir s'organiser pour que vous puissiez nous dire un peu plus en détail comment euh, ça s'est passé. Frères et sœurs, vous savez qu'il y a, y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui bougent et, euh, dans les nations et euh, dans nos assemblées et, euh, et ben pareil hein sur le plan spirituel aussi il y a beaucoup de choses beaucoup de choses qui euh, qui, qui bougent il y a vraiment un mouvement de l'esprit et euh, qui euh, est déclenché depuis quelque temps par le Seigneur lui-même ce mouvement bien sûr euh, et euh, prépare prépare les chrétiens euh, au retour du Seigneur notre Maître parce que nous croyons que Jésus-Christ revient Amen. voilà et euh, et nous bénissons le Seigneur pour euh, l'œuvre qu'il fait, parce que quand on voit des frères et sœurs qui nous viennent de loin, et euh, comme ça, et euh, qui, malgré leurs problèmes de santé, se disent, on va quand même y aller pour, pour partager, prier avec les frères. Et, et quand on voit tout ça, on se dit, mais Seigneur, Dieu n'est plus loin. Voilà, Dieu n'est plus loin. Alors, rapidement, euh, je vais vous faire quelques annonces. Donc, à partir de demain mardi jusqu'à vendredi, donc nous avons... Euh, Didasco notre centre de formation qui qui met en place une session de formation gratuite et, euh, à partir de 19h voilà donc jusqu'à 20h30 20h40 donc il y aura de mardi à vendredi des enseignements et euh, alors si vous me demandez quel sera le thème je vous dirai que je ne le sais pas et Dieu va nous euh, bien sûr Dieu nous conduira donc on lui fait confiance comme euh, il le fait si bien et euh, comme il le fait souvent, et euh, et puis euh, peut-être samedi, si tout va bien, il y aura peut-être une formation spéciale et, euh, pour les jeunes, et euh, une formation biblique pour la jeunesse qui euh, aspire euh, bien sûr à servir le Seigneur. Et euh, donc on va on va voir on va voir cela après. On va faire cette annonce, on va bien l'annoncer demain. On va confirmer ce, cet éventuel programme, hein, ce programme pour la jeunesse demain demain soir donc en tout cas mardi soir mercredi soir jeudi soir et vendredi soir il y aura euh, ici à, à évry au 26 hein, donc euh, au numéro 26 il y aura cette formation de didasco et euh, voilà et puis samedi si tout va bien il y aura une formation et, euh, pour les jeunes qui veulent servir le seigneur et euh, qui éventuellement euh, pourront ven venir avec euh, des cahiers pour euh, vraiment être formés hein, une formation biblique Hein, voilà, donc euh, et pour la jeunesse, et, uh, que le Seigneur soit béni. Donc on va juste prendre un passage ce soir et euh, dans le livre, euh, on va prendre dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre, chapitre 7. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Alors, euh, Proverbes chapitre 7. Et je lirai à partir du verset premier. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ta parente, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses Voilà. Donc, euh, et euh, si vous regardez bien, de Proverbes chapitre 1 euh, et euh, Proverbes à partir de Proverbes chapitre 2, euh, 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 pardon jusqu'au chapitre 7, ici Salomon s'adresse à ses enfants. C'est le père qui nous parle. Et euh, si on prend le chapitre 2 par exemple, le verset premier, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement en toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu ». Le chapitre 3, 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'apporteront le long hein, de longs jours et des années de ta vie et de paix, car ils t'apporteront de longs jours et des années de vie et de paix. Le chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction du Père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne une bonne doctrine et... Ne rejetez donc pas mon enseignement. Le chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent la connaissance. Le chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant auprès de ton prochain, si tu as frappé dans la main de, de l'étranger, si tu es enlacé par tes paroles, par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, mon fils. Donc, si tu es enlacé pardon par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Donc, euh, voyez, en fait, le chapitre 7, on l'a lu, hein, donc le verset euh, à partir du verset premier jusqu'au verset 4 au moins. Pareil là, euh, Salomon parle toujours au fils hein, euh, de son cœur à ses enfants. Voilà. et euh, donc on voit que les, les, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6 et 7, là, il est question des conseils qu'un père donne à ses enfants. Le livre de Proverbes est un livre très, très, très mes amis, riche en conseils. Et euh, ici, c'est le père, le sage, qui s'adresse à ses enfants. Et combien, mes amis, il est important. Et pour nous, enfants de Dieu, mes amis, d'être de, 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 à l'écoute des conseils du Père, du géniteur, celui qui nous a créés, celui qui nous aime, celui qui, n'est-ce pas, nous fortifie dans nos pleurs, dans nos épreuves, dans nos, dans nos combats, dans nos difficultés, et celui qui a une expérience que personne d'autre n'a, c'est-à-dire le Dieu créateur, celui qui nous a créés. Et il s'adresse ici à ses enfants et il dit quoi, en gros il nous demande de recevoir ses instructions, d'écouter ses conseils, pour connaître la pour avoir la crainte de Dieu. Et euh, il donne plusieurs conseils ici, Salomon. Et il le dit, il dit lui-même qu'il était un fils tendre auprès de sa mère. Il était un fils auprès de son père. Et il a eu des bons parents. Il a eu des bons parents. Salomon a eu une bonne mère, il a eu un bon père, il a eu des bons parents qui étaient présents, qui n'étaient pas là pour euh, euh, le priver hein, donc euh, de nourriture comme certains parents le font sous prétexte que Dieu leur aurait euh, leur aurait demandé de le faire. Et, euh, il n'a pas maltraité ses enfants, David bien sûr, il n'a pas n'est-ce pas euh, levé sa main sur ses enfants, mais il était un père exemplaire, un modèle un modèle d'amour, un modèle de sainteté, un modèle, euh, mes amis, euh, de joie. Et euh, il dialoguait avec ses enfants. Et là, ben, Salomon a eu euh, un père modèle, une mère modèle, au point où, à son tour, il va, bien sûr, parler à ses enfants. Et sachez que Salomon, ici, selon les Écritures, Salomon a eu, bien sûr, beaucoup d'enfants, parce qu'il a eu euh, 700 femmes officielles et 300 concubines. Donc, il a eu beaucoup d'enfants. Bien évidemment, il ne demande pas à ses enfants d'avoir euh, beaucoup de femmes, d'avoir d'être polygame, n'est-ce pas Parce que c'est c'est prohibé. Christ a mis fin à toutes ces choses-là parce qu'il a dit qu'au commencement Dieu cria euh, Adam et Ève, l'homme et la femme. Voilà. Donc, euh, et Salomon a eu tellement d'enfants hein, qu'il a euh, qu'il a euh, eu à, à à donner des conseils corrects. Il a été un bon père, un père aimant, un père attentif. Un père qui pouvait anticiper, n'est-ce pas, les besoins, les réactions de ses enfants. Un père qui n'a pas torturé ses enfants. Au contraire, un père qui reconnaissait bien sûr ses propres erreurs, parce qu'il le dit lui-même, au point d'éviter à ses enfants de commettre les mêmes erreurs. Et il nous dit justement ici qu'il fallait écouter ses conseils. En fait, derrière Salomon, nous voyons le Père céleste, Dieu notre Père. En tant que père, Dieu veut que ses enfants, que nous sommes, euh, que ses enfants soient heureux. Il veut que ses enfants soient dans le bonheur. Dieu n'est pas un père qui écrase ses enfants, pas du tout. Dieu n'est pas un père fouettard qui est là avec un fouet, attendant que ses enfants fassent euh, des erreurs pour pouvoir les, les frapper. Ce n'est pas ce n'est pas l'image de Dieu euh, euh, que la Bible, n'est-ce pas, euh, révèle. Et euh, d'ailleurs, on le voit dans le livre de Matthieu et euh, chapitre 7. Je voudrais juste ce soir, euh, avec une courte exhortation, euh, nous parler du Père, de l'amour du Père, notre Père céleste qui nous aime et euh, qui peut envoyer euh, mon frère, ma sœur, ses enfants hein, qui euh, viennent de l'extrémité de, de la terre jusqu'à de Nouméa jusqu'à Paris et, et, et pour rencontrer d'autres frères et sœurs. Et qui sont de la même famille céleste. Hein, et, et, et là, on se, on, quand c'est comme ça, on se sent chez soi. On se sent à la maison. Et pourquoi Parce que le Père dispose de toutes choses. Et c'est cet amour du Père que je voudrais rapidement, mes amis, euh, partager avec vous. Et euh, dans Matthieu, chapitre 7, alors, ici, c'est Yeshua, homme, qui parle et il nous révèle le Père. Il dit au verset 7 Demandez. Et il vous sera donné. Oui, en tant qu'enfant du Père, nous pouvons lui demander des choses. Pourquoi? Parce que notre Père est riche. Il est riche en amour. Il est riche en bonté, en joie, en fruits. Oui, on peut vraiment demander des choses à notre Père. Et il dit aussi frappez et l'on vous ouvrira. Hein? Donc demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et ça, c'est magnifique voyez, Yeshua, homme, Jésus Christ homme, dit ici que le Père Céleste ne va pas donner à quelqu'un, à un de ses enfants, à une de ses filles, hein, un serpent s'il lui demande un poisson. Non. Voyez, il ne va pas te donner quelque chose qui va devenir pour toi un fardeau. Non. Il ne va pas te donner un homme qui va commencer à t'écraser. Il ne va pas te donner une femme qui va commencer à te malmener. Non, mes amis, ce n'est pas ça, le Père Céleste. Non. Il dit, Yeshua dit qu'il nous donne des bonnes choses. Il nous donne des bonnes choses, mes amis. C'est ça, notre Père. Pendant des années, on a cru que Dieu était tellement, vous savez, l'image qu'on avait de Dieu, un Dieu tellement méchant, hein, qu'il qu'il allait, qu pouvait donner à, à un homme une femme qui allait complètement lui créer de problèmes et, euh, et que cela signifiait la croix hein, de, euh, du frère. Qu'il devait porter tous les jours. Non, ça ce n'est pas l'image du Père. Non. Pendant des années, on nous a fait croire que ce Père est tellement méchant qu'il pouvait imposer à une, à une femme un homme qu'elle n'aime pas. Hein? Sous prétexte que c'est là, c'est le brisement. Non, mes amis. Non. On nous dit que le Père nous donne des bonnes choses. C'est pour cela, Salomon nous dit qu'il faut écouter les conseils du Père. Amen. Voilà. Mes amis. Il y a beaucoup de choses, je vous dis que ça va bouleverser, il y a beaucoup de choses qui vont nous bouleverser encore, hein, des enseignements sur le Père hein? le Père, la, la, la Bible dit quoi c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin, c'est ça notre Père et l'une de ces bonnes choses, à part la vie éternelle l'une de ces bonnes, bonnes choses c'est la santé aussi Dieu veut nous donner la santé afin que nous puissions le servir Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous croyons que Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu guérit encore. Oui, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut être dans la joie malgré la persécution. On peut être joyeux malgré les tribulations. C'est ça, notre Père, mes amis. Même si on n'a rien, financièrement, matériellement, Dieu, n'est-ce pas, prend soin de nous. Il nous donne la force. Il nous donne des frères et sœurs, il nous donne des maisons ici et là où des frères et sœurs peuvent aussi nous accueillir pour nous encourager. Et c'est ça notre Père céleste. voyez, c'est pour cela que Salomon parle à ses enfants. Il dit, écoutez l'instruction d'un père. J'étais un fils pour mon père. Donc un père ne va pas prendre un bâton ou une ceinture, frapper son enfant sous prétexte qu'il est en train de le corriger. Non. La correction, c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion, dans les échanges. C'est en étant un modèle, un exemple d'amour. C'est ça, être un père. C'est cela, être un bon chrétien. Une bonne chrétienne, une bonne mère, un bon père, selon le Seigneur. Et Salomon dit à ses enfants, faites attention, écoutez mes instructions, mes instructions, mes, 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 mes commandements, mes lois, mes conseils, mes avis, pour ne pas que vous soyez séduits par cette femme qui emploie des paroles doucereuses. Donc il parle de la séduction. Et il sait parce qu'il est passé par là. Lui-même a été séduit parce qu'il a eu au moins mille femmes. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu, Salomon, bien sûr, que ses propres enfants commettent les mêmes erreurs. Donc quand j'entends les chrétiens frapper leurs enfants, punir leurs enfants, les mettant sur le balcon, les faisant souffrir sous prétexte que Dieu leur a dit que c'est comme ça qu'il faut discipliner les enfants, je dis non, ça ce n'est pas l'amour, ce ne sont pas ces préceptes que nous enseignons. Non. Parce que moi-même, j'ai des enfants et en aucun cas, je lève un jour ma main sur un de mes fils pour, soi-disant, le punir. Mais non, pas du tout. Il y a une harmonie avec nos enfants, nos familles, parce qu'on discute, parce qu'on dialogue. Voilà. C'est ça, être un père. Et Dieu est notre père. En tant que père, bien sûr, il ne veut pas nous voir pécher. Mais si tu as péché, alors repends-toi, mon frère, ma soeur. Et le père veut et peut te pardonner. Mais son sang peut te purifier. Et comme le fils prodigue, qui est parti loin de la maison du père, qui a pris son héritage, qui a pris tout, il est parti. Et quand il a gaspillé ses biens, en vivant dans le péché, eh ben, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a levé les yeux au ciel. Il s'est dit non. J'ai des ouvriers chez mon père qui ont du pain tous les jours. Et moi ici, je, je souffre. Eh ben, je retournerai chez mon père. Voilà. Et il est reparti chez son père. Et il se disait, je ne veux même plus lui dire que, euh, je veux lui dire, euh, ne me considère plus comme ton fils. Et la parole nous dit que son père n'a même pas tenu cas de ses paroles. Hein. Et il a demandé à ce que la plus belle robe lui soit donnée. Donc, Dieu veut que ses enfants reviennent à lui parce que c'est notre Père. Son cœur de Père saigne quand ses enfants pêchent. Voilà. Donc, ce soir, je voudrais juste encourager les enfants du Seigneur à aller vers ce Père céleste, Yeshua, notre Maître, à lui faire confiance. Et il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, notre Père, il est le Père de chacun de ses enfants. Waouh! Il n'est pas seulement le Père d'une nation tout entière, mais il est le Père de chaque chrétien, de chaque homme, de chaque femme qui a reçu dans son cœur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc en tant que ton Père personnel, quand tu te retrouves dans les problèmes, le Père est là. Quand un enfant est menacé et qu'il qu crie ⁇ Papa ⁇ regardez comment son père peut, mes amis, sortir de sa chambre, aller jusqu'à la chambre de, de son enfant pour voir ce qui se passe, pour le défendre. Un père, un bon père est prêt et capable de mourir de faim et laisser son enfant vivre. Donner le dernier repas à son enfant et accepter la mort pour que son enfant vive. Un bon père est celui qui peut prendre ses deux reins. Il est donner à son enfant euh, qui n'a plus de... qui a un problème de, de, de santé. C'est ça, être un père. Et la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Je vais vous dire une chose. Nous avions aussi un problème. Nous, humains. C'est-à-dire, nous avions une maladie sanguine. Et Dieu nous a donné son sang. Nous avons vécu à la conversion une transfusion sanguine totale. Parce que nous avions cette maladie, le sang était contaminé par le péché. Le virus, le péché, était dans notre sang, pourrissait notre vie. Et vous savez que le sang circule dans tous les organes. Voyez? Alors, ce virus, là, le péché avait contaminé notre sang et il fallait une transplantation, une transfusion. Et Dieu a regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas du sang pur. Si ce n'est son propre sang. C'est pour ça que Paul dit que l'église a été rachetée par le sang de Dieu. Dans l'acte 20-28. Donc, imaginez ce, cet enfant qui mourait parce que son sang était contaminé et personne n'était capable de le transfuser. Alité condamné par le diable, moqué par les hommes. Imaginez le Père qui quitte son trône et qui part secourir cet enfant qui n'est que de la poussière, alors qu'il aurait pu créer d'autres enfants, meilleurs que nous. Il est venu sur terre, ce Père, Adonai, et il a versé tout son sang. Et pendant que ce sang coulait, nous étions transfusés en même temps. Mes amis, et ce sang a apporté la vie là où il y avait la mort. Et vous vous rendez compte, il nous a donné le meilleur de lui-même, son sang, sa vie. Et vous pensez qu'il peut nous priver d'autre chose Or, les parents qui privent leurs enfants de nourriture ne sont pas des parents chrétiens. Des parents qui... Prennent des bâtons pour frapper leurs enfants ne sont pas des parents chrétiens parce que le Père, mes amis, il nous parle, il discute avec nous, il nous propose. Il n'est pas un dictateur, il n'est pas méchant. Jésus dit vous qui êtes méchants, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et le Père céleste. Waouh, mes amis, que Dieu vous garde. Aimez le Père, cherchez le Père. Nous avons reçu la grâce. Nous sommes devenus, par grâce à Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Héritiers de Dieu. Vous vous rendez compte? Alléluia, gloire à Dieu. Soyez fortifiés, soyez bénis, encouragés. Je vous laisse avec le Père. Méditez Proverbe 2, Proverbe 3, Proverbe 4, Proverbe 5, Proverbe 6 et 7, où il est question de, des conseils du Père envers ses enfants. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous demain, 20h30 non, demain à 19h. Pour la formation de Disasco, que Dieu vous garde, mes amis. À demain. Au revoir.